Petit coucou, un petit peu pour vous parler de cette petite vidéo que je vous fais de façon un petit peu non prévue. Mais du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en parler puisque je voulais un petit peu partager ce que je fais en règle générale toute seule, c'est-à-dire que je fête les saisons. Et là, en l'occurrence, nous entrons dans le solstice d'hiver aujourd'hui. Et hier, nous étions encore sur l'équinoxe d'automne qui se terminait. Donc je vous partage juste après une petite petit audio en vidéo que vous allez voir qui est pas très long mais qui est sympa à écouter. Tout simplement parce que je pense qu'il est intéressant de remercier les éléments, bien sûr. Le mieux, c'est de ne pas attendre les solstices ou les équinoxes pour remercier les éléments et notre planète pour ses bienfaits. Mais c'est vrai que si on n'a pas trop le temps, déjà le faire à ces moments-là, c'est très important. Et en plus de ça, souvent, on rentre dans des changements énergétiques à ce moment-là. Voilà, donc je pense que tout le monde a un petit peu ressenti ces énergies un peu fortes, hein, un petit peu pesantes de ces derniers temps. Et c'était pour vous dire que là, jusqu'à la fin de l'année, ça allait commencer un petit peu à se disperser et des nouvelles énergies positives vont arriver. Voilà, vous allez ressentir jusqu'au printemps que le solstice d'hiver va bien agir sur nous, reposer les bases et un petit peu nous remettre dans la confiance pour la continuité. Voilà, donc c'était juste cette petite vidéo que je vous fais, voilà, qui n'était pas prévue, mais qui me fait bien plaisir. Prière de remerciement à l'équinoxe d'automne et accueil du solstice d'hiver. Le temps automnal touche à sa fin, avec l'accompagnement du vent qui a redistribué tous les nutriments dont la terre nourricière a besoin. Les feuilles sont tombées, mais les bourgeons d'automne sont bel et bien en place. Tel ce cycle qui se termine, laissant disparaître subtilement, dans toutes ses couleurs rondes et chaudes, ce qui n'est plus. Ce qui ne doit plus être, en nous et autour de nous. C'est aussi la fin d'un cycle énergétique pour l'humanité qui se déleste d'une ancienne peau pour finir, en ce nouveau solstice d'hiver, de déverser dans nos profondeurs la lumière de nouvelles compréhensions. Ces nouvelles compréhensions qui seront alors installées pour le bel équinoxe du printemps 2021. Merci à toi, bel équinoxe d'automne, d'avoir procédé à ce lavement énergétique, lumineux et harmonieux pour tous les êtres de la Terre. Beau solstice d'hiver, merci de nous accueillir en ton sein, de nous laisser le repos nécessaire aux nouvelles bases que nous cueillerons au prochain cycle. Merci de nous laisser ce temps de recul pour nous permettre de cimenter tous nos champs d'action de l'année écoulée. Tu nous diriges gracieusement dans ta bise fraîche vers nos hauteurs et notre force intérieure pour permettre de sceller nos actions envers nous, mais aussi pour les bienfaits apportés aux autres, frères et sœurs, animaux, végétaux, minéraux, et tout atome ou cellule vivante qui peuple notre monde. Que ton vent glacial nous guide, que ton blanc nous érige de lumière, que le feu qui nous réchauffe puisse nous permettre de rendre en lumière notre cheminement intérieur. Et enfin, que ton eau nous lave et nous transporte jusqu'au nouveau voyage. Merci pour tes mille amours, merci pour tes mille grâces et dons, et tes mille douceurs, mon bel hiver. Je te remercie pour cela.